Each year, Canadian military personnel in Belgium join the local community at Ville-sur-Aisne to honor the memory of Private George Lawrence Price, the last Commonwealth soldier killed during the First World War. Since 1968, commemorations have been held adjacent to a modest plaque close to where Price fell. This year, Belgian officials announced the Price Memorial Project would create a monument of great significance for the 100th anniversary of the armistice next year. Le soldat Price, en fait, il représente à la fois la libération de notre pays, la libération de la Belgique, mais il représente aussi cette solidarité qui existait entre les peuples et pour la première fois pendant cette guerre 14-18 entre les peuples de toute la planète Terre. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, le soldat Price est vraiment le symbole de l'amitié entre la nation canadienne et la nation belge. Ce jour de commémoration, que le Dieu de toute grâce nous accorde sa paix, qu'il remplace solitude par amitié, haine par amour. Following the service, participants gathered at City Hall in Leroux, where senior Canadian representative Colonel James Godfroy presented a gesture of support on behalf of the Canadian military community at SHAPE. Eh bien, cet été va commencer les derniers 100 jours avant le 100e anniversaire de la fin de la guerre, avant le 100e anniversaire de l'armistice 2018. Et cette commémoration, elle se terminera ici au Reux avec l'inauguration de ce monument qui représente la dernière goutte de sang qui a été versée par un soldat canadien ici sur le sol belge lors de la Première Guerre mondiale. Commemorations concluded in the time-honored Belgian tradition of Le Verbe d'Amitié.